Ils étaient nombreux ce samedi 13 août 2022 dans les tribunes du Parc des Princes pour le retour du PSG après les congés d'été. Un retour largement victorieux, 5-2, d'ailleurs grâce à des joueurs déchaînés, qui ont fait bien plaisir aux personnalités présentes et notamment Richard Gasquet et Keyron qui avaient tous les deux fait le déplacement en duo. Le joueur de tennis était en effet accompagné de sa compagne, une magnifique jeune femme blonde dont il avait révélé l'existence il y a peu dans le journal Libération expliquant que celle-ci travaillait dans la grande distribution. Complice et aussi bronzé l'un que l'autre, le couple a en tout cas profité du match tranquillement, non loin du président du PSG, Nasser El Khelaifi. Nicolas Sarkozy, l'ami et modèle du tennisman selon son propre aveu, n'était en revanche pas présent, un fait très rare pour l'ex-président très fan de football mais qui doit continuer de profiter de son été en famille. Patrick Bruel, lui aussi habitué des lieux, était accompagné d'un ami, tout comme Elis et Moon assis juste devant lui avec un autre humoriste, Paul Mirabel. Mais si est un de leurs collègues qui a fait une apparition surprise dans les travées du stade ce samedi, très rare dans ce genre de lieu, l'humoriste Keyron a lui aussi profité du match en compagnie de Leila Boumedjian, une jeune comédienne avec qui il a été marié, avant d'annoncer discrètement leur séparation. Alors, seraient-ils restés amis ou vivent-ils un retour de flamme? Le réalisateur du superbe film Nous trois ou rien, peu habitué à parler de sa vie privée, n'en dira pas plus. Mais ses fans vont désormais se poser la question tant ils semblaient complices. Le match, en tout cas, a été survolé par l'équipe du PSG, très en forme pour leur retour après les vacances et plusieurs matchs disputés à l'extérieur. 5 buts marqués, beaucoup d'énergie, tout a plu à leurs fans. À l'exception d'un Kylian Mbappé bougon, plusieurs fois, notamment après ses buts, la superstar française s'est montrée agacée et boudeuse. Si certains ont pensé à une rivalité avec Neymar, le club a révélé qu'il était en réalité gêné par des problèmes personnels.